Bonjour, je m'appelle Roxane et je vais vous présenter mon travail sur le manque de sommeil chez les ambulanciers. Donc le titre c'est « Le manque de sommeil chez les ambulanciers, une revue de littérature », très originale, n'est-ce pas? Je vais vous parler un peu juste de mes motivations, qu'est-ce qui m'a amené à faire ce travail de diplôme sur le manque de sommeil. Je pense que ça se voit un petit peu sur ma tronche. Je manque de sommeil chroniquement depuis des années et des années. Je suis insomniaque, j'ai beaucoup de peine à dormir et j'ai un sommeil extrêmement léger, donc il suffit de respirer à côté de moi et je me réveille. Donc je me suis posé évidemment la question, comment je vais survivre en travaillant la nuit, en dormant pas beaucoup, en enchaînant des gardes de 12 heures? Est-ce que ça va le faire? Et du coup je voulais voir un petit peu si j'étais finalement la seule à souffrir de ce genre de problématique ou est-ce que c'était plus un problème systémique chez les ambulanciers. Donc ma question de recherche, retrouve-t-on des évidences des impacts du manque de sommeil sur les ambulanciers dans la littérature? Je vais commencer par vous présenter un petit peu mon cadre de référence, donc vous faire un petit peu un résumé global sur le sommeil en général. Et le sommeil, il est régi par deux forces finalement, le rythme circadien et la pression de sommeil. Je vais commencer par vous parler du rythme circadien que vous pouvez voir sur l'illustration que je vous ai mis. Le rythme circadien, il régule pas seulement le sommeil, il régule un bon nombre de choses dans notre corps, notamment notre digestion, notre température, notre tension artérielle. Et en fait, il se déroule sur 24 heures. Le rythme circadien, il est indépendant de nos activités la journée ou la nuit. Donc si à 2 heures du matin, vous êtes en boîte de nuit, ben, vous allez quand même avoir votre température corporelle qui baissera, même si vous n'êtes pas tranquillement dans votre lit. Et nous, ce qui nous intéresse le plus, finalement, au niveau du sommeil, c'est la sécrétion de mélatonine qui augmente le soir et qui va en fait signaler au corps qu'il est temps de baisser l'activité et qu'il est bientôt le moment de se mettre à dormir. Contrairement à une idée reçue qu'on a, la mélatonine, ça ne fait absolument pas dormir. C'est juste un neurotransmetteur qui vient indiquer au corps qu'il est bientôt le moment de dormir, mais ce n'est pas ça qui nous donne envie de dormir ou qui nous fait dormir. Les rythmes circadiens, ils sont différents pour chaque individu. On n'aura pas tous notre pic de mélatonine au même moment de la journée. Et on peut diviser principalement trois chronotypes, en sachant que la plupart des gens ont un chronotype intermédiaire. Donc en fait, ils ne sont pas vraiment du matin, ils ne sont pas vraiment du soir. Mais il y a des individus qui sont très clairement du matin, qui ont beaucoup de facilité à se réveiller tôt le matin, qui sont très efficaces le matin, et par contre, qui sont incapables de rester réveillés jusqu'à 2 heures du matin. Et ceux du soir qui, eux, au contraire, ont beaucoup de difficultés à se réveiller tôt le matin et qui sont très performants jusque très tard dans la nuit. Les intermédiaires, ils se trouvent un petit peu au milieu de tout ça et ils sont prédominants dans la population, mais ils arrivent à s'adapter un petit peu à toutes les situations, on va dire. La pression de sommeil, c'est la force qui nous fait vraiment nous endormir, finalement. C'est la courbe que vous voyez ici en bleu, et puis la courbe en rouge, là, c'est le rythme circadien. Donc on voit que le rythme circadien, il suit son cours, et puis par-dessus ça, on ajoute la pression de sommeil. Qu'est-ce que c'est la pression de sommeil? En fait, c'est de l'adénosine au niveau cérébral, qui augmente au fur et à mesure de la journée, à chaque heure, minute, seconde que vous passez éveillé, il y a un peu plus d'adénosine dans votre cerveau. Jusqu'à ce qu'on arrive à un point de non-retour où il n'y a pas d'autre solution finalement que de dormir en fait. Et puis en dormant, on voit là sur le graphique qu'il y a une baisse de la courbe de pression de sommeil, donc l'adénosine qui est éliminée. Plus il y a de différence forcément entre la courbe du rythme circadien et la courbe d'adénosine, plus ce sera facile de s'endormir. Et puis finalement, si on imagine que vous n'avez pas dormi parce que par exemple vous avez travaillé la nuit et que du coup vous n'avez pas en fait cette baisse qu'on peut observer sur le graphique qui est juste là, hein, bah en fait l'adénosine elle va continuer de monter. Par contre votre rythme circadien lui il continue parce qu'il s'en fiche un petit peu en fait de ce que vous faites, de si vous dormez ou non. Donc il y a forcément des moments dans la journée où en fait vous allez réussir à avoir une super énergie, malgré le fait que vous n'avez pas dormi la nuit, et ça c'est simplement dû à votre rythme circadien qui continue à suivre son cours par derrière. Le sommeil, il est divisé en plusieurs phases. Les stades 1 à 4, on les appelle les stades NREM, qui veut dire Non Rapid Eye Movement, donc pas de mouvement rapide des yeux. C'est des phases de sommeil plutôt profondes et dans lesquelles plus on va profondément, donc plus on se rapproche du stade 4, plus il est difficile d'être réveillé. C'est dans ces phases vraiment que l'activité cérébrale elle se calme et puis qu'on voit une nette différence entre l'activité cérébrale d'un dormeur et de quelqu'un qui est éveillé. Dans les stages NREM, il y a aussi une présence d'ondes cérébrales qui s'appellent des fuseaux de sommeil
qui sont des petits pics d'activité cérébrale qui durent quelques secondes et qui servent en fait simplement à déplacer les informations dans le cerveau, en fait, à transférer les informations d'un espace de stockage vers un autre. Et puis, pendant le sommeil NREM, en fait, on va purger toutes les connexions qui sont inutiles. Et puis ensuite, il y a le sommeil REM, qu'on peut appeler aussi sommeil paradoxal, et qui est le sommeil Rapid Eye Movement, pendant lequel donc, les yeux bougent beaucoup, même si on dort. Et ça, c'est le sommeil qu'on connaît, qui nous fait rêver, en fait, pendant lequel on est paralysé et on ne peut pas agir nos rêves. Donc même si vous sautez d'une falaise dans votre rêve, votre corps ne pourra physiquement pas sauter de la fenêtre, par exemple, ce qui est plutôt pratique si on veut rester en vie. Et le sommeil REM, en fait, il s'occupe de renforcer les connexions cérébrales. Là, vous avez une illustration d'un hypnogramme. Donc un hypnogramme, en fait, il va juste décrire dans quelle phase de sommeil vous vous trouvez. Et puis ce que vous pouvez voir, en fait, c'est qu'en début de nuit, on a plus de présence de sommeil profond, donc le sommeil de stade 3 et de stade 4. Donc il y a une plus grande proportion de ce sommeil-là. Et plus on avance dans la nuit, moins il y en a, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout, et qu'il y ait une prédominance du sommeil REM, donc du sommeil paradoxal des rêves. Donc en général, les très longs rêves qu'on fait, c'est plutôt tôt dans la matinée, finalement. C'est vers 4h, 5h, 6h. Et puis, c'est assez intéressant de voir qu'en fait, il y a une répartition qui est différente entre ces différentes étapes de sommeil, parce qu'en fait, le cerveau n'a pas besoin d'autant de sommeil NREM en fin de nuit, et il n'a pas besoin d'autant de sommeil REM en début de nuit, par exemple. Du coup, quels sont les bénéfices du sommeil ? Le sommeil, globalement, ça aide à la mémorisation, ça déplace en fait toutes les informations qu'on reçoit dans la journée d'un espace de stockage temporaire vers un espace de stockage plus longue durée. Donc si vous imaginez votre cerveau comme un ordinateur, si vous mettez votre document sur une clé USB, par exemple, c'est peut-être un espace de stockage un peu plus temporaire que vous risquez de perdre. Par contre, si vous les mettez sur un disque dur externe, là, vous avez moins de chances de perdre les données que vous voulez garder. Donc, en fait, le sommeil, il a cet effet de déplacer tout ce qui est mémorisation d'un espace de stockage à court terme vers un espace à long terme. Il renforce aussi par la mémorisation, forcément, les apprentissages et il aide à améliorer les compétences. Ça peut arriver, en fait, qu'on soit, par exemple, en train d'apprendre... une suite musicale ou quelque chose pour un jeu, une suite de numéros, n'importe quoi. On s'endort et on a des difficultés à faire certaines suites avant de s'endormir. On dort la nuit et le lendemain matin, on se réveille et on arrive à le faire beaucoup plus facilement. En fait, ça, c'est simplement le sommeil qui est passé par là et qui a été purger les connexions inutiles et renforcer les connexions utiles. Et du coup, quels sont les risques de manquer de sommeil ? Parce que forcément, s'il y a des bénéfices, il y a aussi des risques. Les risques, ils se décrivent en trois parties. Donc, il y a des risques cognitifs, il y a des risques psychologiques et somatiques. Au niveau cognitif, dès qu'on manque de sommeil, on a une grande augmentation dans les erreurs et on est à risque de faire des micro-endormissements. Les micro-endormissements, c'est un endormissement normal finalement, mais qui dure que quelques secondes. Ça vous est peut-être déjà arrivé de vous dire, tout d'un coup, vous êtes tranquille et vous avez l'impression de plonger un peu, vous plongez, et puis bam, vous vous réveillez. Ça, c'est un micro-endormissement. Quand ça arrive, quand on est assis en cours ou quand on est assis dans le train, c'est pas très très grave. Quand on est assis au volant de sa voiture, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Au niveau psychologique, on observe des grands écarts dans l'humeur des personnes qui dorment peu. Alors on peut autant être de mauvaise humeur que de bonne humeur finalement. Donc même si on pense que les gens qui dorment peu sont globalement plutôt de mauvaise humeur, c'est surtout le yo-yo qui est décrit. Et on peut très bien être de très bonne humeur, même si on n'a pas beaucoup dormi. On observe un lien assez fort entre le manque de sommeil et la maladie d'Alzheimer. C'est un peu une relation poule ou œuf, donc on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui vient en premier, mais en tout cas, on sait que les individus qui développent une maladie d'Alzheimer, c'est souvent des individus qui manquent chroniquement de sommeil, et que plus la maladie se dégrade, plus ils manqueront de sommeil, finalement, et moins ils arriveront à dormir correctement. Au niveau somatique, on a une augmentation des maladies coronariennes, du cancer, du diabète et de l'obésité chez les personnes qui manquent chroniquement de sommeil. Le cancer, juste pour vous donner un ordre d'idée, le manque de sommeil pour l'OMS est classé comme probablement cancérigène. Une autre chose qui est classée comme probablement cancérigène, c'est l'exposition au plomb. Donc je pense que personne ne va aller volontairement s'exposer au plomb. Par contre, on a tous déjà dit « c'est pas grave, je me coucherai 2 heures plus tard ou je me lèverai 2 heures plus tôt ». Donc on n'a pas forcément conscience, je pense, au niveau des risques, par exemple pour le cancer,
des dangers vraiment réels du manque de sommeil. Je voulais juste vous décrire trois pathologies du sommeil qui vont un petit peu vous intéresser par rapport aux résultats plus tard. Donc, il y a l'insomnie. L'insomnie, en fait, finalement, c'est un manque de sommeil, mais il faut qu'il y ait un retentissement sur la vie de tous les jours. Si vous avez juste pas dormi la nuit, mais que ça vous influence pas dans votre vie quotidienne, c'est pas de l'insomnie. Donc, on parle là de personnes vraiment qui ont une difficulté à se concentrer, des difficultés à éprouver du plaisir dans leur vie. Ça, c'est des gens qui sont vraiment victimes d'insomnie. Les causes de l'insomnie, c'est bien souvent l'anxiété, la dépression, le stress, et puis le travail irrégulier, et notamment le travail de nuit, c'est un gros facteur de risque pour l'insomnie. Ensuite, on a l'apnée du sommeil. Il en existe plusieurs types, mais on s'intéressera plutôt ici à l'apnée du sommeil de type obstructive. L'apnée du sommeil, finalement, c'est juste des arrêts de respiration pendant la nuit, qui durent plus ou moins longtemps et pendant lesquels, du coup, la concentration en oxygène dans le corps diminue. L'apnée du sommeil, ça peut avoir des conséquences catastrophiques au niveau cérébral, parce que forcément, vous vous doutez bien que quand vous n'êtes pas oxygéné, votre cerveau il a besoin d'oxygène pour fonctionner de manière optimale. Et si vous êtes chroniquement en manque d'oxygène toutes les nuits, c'est pas très bon sur le long terme. Les causes d'apnée du sommeil, donc les facteurs de risque plutôt, ce sera l'obésité, le fait d'être un homme, toute prise de médicaments sédatifs pour dormir, la consommation d'alcool et le fait de dormir sur le dos. Donc si vous avez l'impression de faire de l'apnée du sommeil et que vous dormez sur le dos, essayez peut-être de vous tourner, ça peut en tout cas aider. Et le shift work sleep disorder, ça c'est une pathologie vraiment qui va nous intéresser, nous les ambulanciers. Qu'est-ce que c'est le shift work? C'est tous les horaires qui se trouvent en dehors de 6h à 19h. Donc tous nos horaires de nuit forcément sont considérés comme du shift work. Et le shift work sleep disorder, du coup, c'est en fait une désynchronisation du rythme circadien endogène de la personne avec son rythme de travail. Donc si vous êtes par exemple du matin, comme on disait tout à l'heure, et puis que vous travaillez la nuit, forcément, vous n'êtes pas synchrone avec votre rythme circadien naturel. Donc vous êtes en train de lutter pour ne pas dormir, et forcément, ça va vous désynchroniser sur le long terme. Dans le shift work sleep disorder, du coup, on souffre en général d'insomnie, et l'autre versant, c'est l'hypersomnolence. Donc en fait, quand vous avez besoin d'être éveillé, puis que vous avez besoin d'être concentré, vous n'arrivez plus à rester éveillé. Et puis finalement, il y a des principes qui sont les principes d'hygiène de sommeil. Ça, c'est des principes qu'on peut tous appliquer au quotidien pour aider son sommeil. Bien sûr, ça va être quelque chose de différent pour chaque personne puisqu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Mais globalement, les principes édictés, ce serait de dormir toujours aux mêmes horaires, donc toujours se coucher à la même heure et se réveiller à la même heure. Éviter les siestes de plus de 30 minutes durant la journée. Pratiquer des activités plutôt calmes le soir. Éviter la consommation de substances pour l'alcool 4 heures avant de se coucher. Donc se coucher droit derrière être sorti du bar, c'est plutôt pas une très bonne idée. En tout cas pas pour votre sommeil. La consommation de caféine et de nicotine, il faudrait l'arrêter 6 heures avant de dormir. Donc il faut bien anticiper la chose quand même. La dernière cigarette avant de se coucher, pas une très bonne idée non plus. Au niveau de l'environnement, il faudrait être dans un environnement sombre, qui n'est pas bruyant et puis qui est idéalement frais. Et puis pour ce qui est de l'alimentation et du sport, c'est important de garder une alimentation saine et puis de pratiquer du sport régulièrement. Et du coup, qu'est-ce qu'il en est du travail en ambulance? En tout cas sur Genève, les gardes, elles sont organisées en 12 heures. Il y a plusieurs formes de tournus possibles, mais là j'ai rassemblé un petit peu ce qui se fait de plus. Donc il y a le 2 jours de nuit, 4 jours de congé, le 2 jours, 1 nuit, 3 jours de congé, de 3 jours, 1 nuit, 4 jours de congé, et il y a encore des entreprises qui font des horaires complètement irréguliers, dits à la carte. Donc forcément, quand on doit enchaîner ce genre d'horaire en garde de 12 heures, il est clair qu'on va à un moment manquer de sommeil, parce que quand on travaille la nuit, forcément, on n'a pas le choix de se lever ou non, et quand ça sonne, vous savez tous, on doit partir. Au niveau de la méthode, donc moi j'ai fait une recherche sur PubMed, et j'ai sélectionné 5 études. J'en ai pas sélectionné beaucoup parce qu'en fait, déjà, c'est difficile de trouver des études de bonne qualité qui parlent vraiment des ambulanciers. Il y a énormément d'études sur le shift work pour ce qui est du monde hospitalier, mais ça m'intéressait pas trop de regarder pour la population hospitalière parce qu'on n'a pas du tout les mêmes préoccupations finalement. Donc, je me suis concentrée sur 5 études qui concernent des ambulanciers qui ont toutes été menées en Australie. Donc, c'est une population qui est quand même relativement similaire.
avec un job qui est du coup normalement le même partout en Australie, bien qu'on ait bien conscient que suivant où on travaille dans la ville ou dans une campagne, ce ne sera pas la même chose. Au niveau de leur méthode, ils utilisent tous des tests et des index qui sont fortement recensés et pour lesquels on peut comparer les résultats avec des populations générales, en fait. Donc c'est assez intéressant. Et puis c'est toutes des études qui sont récentes, qui datent des 10 dernières années. Et du coup, moi j'ai lu les études et j'ai extrait les résultats pertinents. Là, je vous ai juste mis les études, c'est pas forcément nécessaire de les citer entièrement, mais je voulais juste vous donner un ordre d'idée en fait, du nombre de réponses sur ces études. Donc, pour la première, vous pouvez voir qu'il y a 194 réponses, ça représente 6,8% des personnes à qui le questionnaire a été envoyé. Donc le taux de réponse, il est quand même assez bas. Pour la deuxième étude, il y a 60 participants. La troisième, on a 150 réponses avec 27% de participation. La quatrième, on a 12 réponses sur 276 questionnaires envoyés, donc ça fait 4,3%. Et pour la dernière, on a 184 participants. Tout ça pour mettre en lumière que c'est toujours des études avec un panel de personnes relativement limité. Je vais juste vous parler un petit peu d'un des tests qui est utilisé dans les études. J'en parlerai pas, je ne vais pas parler plus que ça des index qu'ils utilisent, mais c'est juste pour vous donner un petit peu une idée quand on veut évaluer le sommeil, quels sont les genres de questions qu'on va poser en fait. Donc on va s'intéresser là en l'occurrence à l'index de qualité de sommeil de Pittsburgh qui s'appelle le PSQI, qui est très utilisé dans le monde de la médecine du sommeil et qui évalue les items suivants, donc l'heure habituelle du coucher, le nombre de minutes pour s'endormir, l'heure habituelle du lever, l'heure de sommeil par nuit. Ensuite, il y a toute une partie auto-évaluation de la fréquence des troubles du sommeil. Donc ça va vous demander si vous avez l'impression que vous vous endormez, vous prenez longtemps à vous endormir, une fois par semaine, deux fois par semaine, plus que ça. Si vous vous réveillez fréquemment, si vous avez des problèmes de respiration, si vous faites des rêves ou des cauchemars, des choses comme ça. Ensuite, il y a toute une partie hétéro-évaluation des troubles du sommeil. Donc si vous avez un partenaire de chambre ou un partenaire dans votre appartement qui vous entend ronfler toute la nuit, on lui demande à lui en fait de vous donner une évaluation de combien de fois par semaine vous ronflez, si vous faites des pauses respiratoires, si vous avez des secousses dans les jambes par exemple. Ensuite, on auto-évalue sa qualité de sommeil, on renseigne de la prise de médicaments qui facilitent le sommeil, et puis de la fréquence de la fatigue au quotidien et des micro-endormissements, et puis à quel point ça influence la motivation au travail et dans la vie en général. Donc comme vous pouvez voir, tous ces items, ils sont quand même relativement... ils peuvent être fortement influencés par ce que la personne ressent. Finalement, le nombre de minutes pour s'endormir, c'est assez difficile. Je ne sais pas si vous avez une très bonne idée du nombre de minutes que vous mettez à vous endormir, mais on sait à quelle heure on ferme les yeux, puis en général, on s'endort. On sait quand c'est très long, mais quand ça prend 2-3 minutes de s'endormir, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc c'est assez difficile d'évaluer. Et puis forcément, comme il y a plein d'auto-évaluations, si on a l'impression de super mal dormir, on va dire qu'on dort super mal, mais ce n'est pas forcément objectif. Ça, c'est un des problèmes qu'il y a dans pas mal d'index du sommeil, c'est que finalement, c'est des auto-évaluations. Et donc, les résultats des études. Là, vous pouvez voir les résultats au niveau du stress, de la dépression et de l'anxiété des ambulanciers qui ont été questionnés. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a donc trois études qui quantifient un petit peu ces items. Et on voit que en fait, les résultats sont plutôt alignés. Donc il y a quand même beaucoup d'ambulanciers qui ressentent du stress, qui présentent des dépressions. Et puis au niveau de l'anxiété, on a les mêmes résultats dans les deux études. Donc ça prouve bien que finalement, ça a un impact sur notre humeur finalement et sur notre psychisme. Là, on parle plutôt de pathologie du sommeil. Donc l'apnée du sommeil, comme je vous en parlais tout à l'heure, l'insomnie, et il y a juste un item, c'est le risque d'apnée du sommeil, donc c'est le risque que les personnes ont de développer une apnée du sommeil, mais ils ne l'ont pas diagnostiqué encore. Au niveau de l'apnée du sommeil diagnostiquée et de l'insomnie, on voit qu'il y a quand même des grandes différences entre les deux études qui sont mentionnées, notamment sur l'insomnie, il y a un item qui est à 20% et l'autre qui est à 1,8%. J'ai pas trop d'explications pour vous dire pourquoi. La seule chose que je peux relever entre ces deux études, c'est qu'il y en a une qui se passe plutôt en milieu urbain et l'autre en milieu rural. Donc est-ce qu'il y a une influence? Est-ce que le nombre d'interventions n'est pas le même? Peut-être, mais ce n'était pas mentionné dans l'étude. Et puis le risque d'apnée du sommeil, là ça va du simple au double. Donc il y a une différence qui est quand même assez énorme à voir. Est-ce que la population est très différente? Est-ce qu'on a plus d'hommes d'un côté? Est-ce qu'on a plus de personnes qui sont un peu plus âgées ou plus obèses? J'avais pas de réponse à ce niveau-là.
Et puis finalement, sur la mauvaise qualité de sommeil, la fatigue ressentie et l'envie de dormir, on note quand même qu'il y a un bon nombre d'ambulanciers qui finalement se classent dans une catégorie de mauvaise qualité de sommeil. Encore une fois, on a une assez grande différence entre deux des études et la dernière. La dernière, donc l'étude 5, c'est toujours une étude qui se passe en milieu rural. Donc, est-ce qu'ils ont moins d'interventions la nuit et que peut-être ça explique qu'ils aient une meilleure qualité de sommeil ? Est-ce que le fait de vivre en milieu rural, il y a moins de bruit, il y a moins de lumière, il y a peut-être moins de stress ? Ça peut influencer, mais je n'ai pas de réponse à vous donner à ce niveau-là. Au niveau de la fatigue ressentie, je pense qu'on voit que les chiffres ils sont assez alarmants. Il y a 92% d'ambulanciers interrogés dans cette étude qui se disent fatigués au quotidien. Donc c'est quand même des résultats assez énormes. Pour l'étude 4, qui est représentée par des flèches, en fait, cette étude, elle ne donne pas de chiffres à proprement parler. Elle dit juste qu'il y a une augmentation de la fatigue chez ces ambulanciers par rapport à la population générale. Et puis, de même, il y a une augmentation de l'envie de dormir chez ces ambulanciers par rapport à la population générale. Du coup, quelles ont été les difficultés et les limites de mon travail ? Moi, mes difficultés, ça a été que en fait, je ne voulais pas du tout faire une revue de littérature à la base. Donc, j'ai manqué de temps et j'ai dû faire une revue de littérature. À la base, je voulais moi-même faire ces questionnaires et les appliquer à des ambulanciers genevois pour avoir quelque chose de vraiment pertinent, qui vienne vraiment de chez nous et pas d'Australie, qui est quand même un pays, bien que très sympathique, plutôt éloigné. Et puis, moi, j'ai perdu mon travail de diplôme en plein milieu, donc j'avais plus rien. Donc sachez que même si vous le perdez, c'est quand même possible de le présenter. Ça va bien se passer. Voilà. Et puis, au niveau des limites, globalement, il manque beaucoup d'études de cohorte et des études prospectives. Là, on parle plutôt d'études rétrospectives, donc ils viennent vous demander, bah, voilà, sur le mois dernier, comment est-ce que tu as dormi ? Il faut encore s'en rappeler, il faut réussir à évaluer de manière neutre. Et finalement, des études prospectives avec quelque chose qui est plus quotidien, un suivi plus quotidien, ce serait assez pertinent. Bien que ce soit une force d'utiliser beaucoup de questionnaires et beaucoup d'index différents pour le sommeil, et puis du coup, ça donne un panel de réponses énorme, il y avait une étude, par exemple, où il y avait juste, pour cette étude, 14 index qui étaient utilisés. Donc je vous laisse imaginer, quand on essaie de comparer des résultats, c'est assez difficile si les autres études n'ont pas utilisé les 14 mêmes index. Et puis, comme je vous ai dit au départ, l'échantillon de participants, il est toujours très limité. J'ai jamais eu d'études en dessous de 200 participants. On sait tous comment c'est, on reçoit des mails, on nous demande de participer à des études. Et puis, je pense qu'on a tous un peu le même réflexe. Quand on se sent hyper concerné par le sujet, du genre, moi, si je reçois une étude sur le manque de sommeil, je me sens super concernée par le sujet, je vais y répondre. Puis si je me sens un peu moins concernée, ben, y a aussi des chances que j'y réponde pas, finalement. C'est assez logique. Donc forcément, l'échantillon de participants, il est assez limité, et puis on ne sait pas si les gens qui ont participé ont voulu participer uniquement parce qu'ils manquent de sommeil et que ça les intéressait, ou est-ce qu'ils ont voulu participer juste comme ça, pour le plaisir de participer à une étude. Pour conclure, donc, y a des études qui existent, elles sont trop peu représentatives. Il n'y a pas d'études en Suisse, en tout cas moi j'en ai pas trouvé. Un des gros problèmes dans ces études, c'est qu'il n'y a aucunement de prise en compte de la charge de travail et du nombre d'interventions. Ça, je pense que vous avez tous fait des journées en ambulance et vous savez tous que si on en fait deux dans la journée ou six, c'est pas exactement la même chose. Et la nuit, c'est d'autant plus vrai. Si on sort une fois en début de soirée ou qu'on sort quatre fois dans la nuit, forcément on n'est pas fatigué de la même manière. Par contre, ce qu'on retrouve globalement, c'est qu'il y a des évidences de manque de sommeil. Et il y a un impact chez les ambulanciers, que ce soit au niveau psychique ou au niveau somatique. Les propositions de changement, malheureusement, il n'y a pas vraiment de solution miracle pour régler ce manque de sommeil chez les ambulanciers. Il y a une des propositions qui serait d'adapter finalement les horaires de travail au chronotype des ambulanciers. Donc ça signifierait que les gens qui sont du matin, ils ne travailleraient plus la nuit, ils ne travailleraient que la journée et plutôt tôt le matin. Les gens qui sont du soir, ils vont travailler la nuit. Et puis les gens qui sont un petit peu d'un chronotype intermédiaire, on essaie de les caser quelque part au milieu. Le problème de ça, c'est que il faut que les ambulances elles tournent 24 heures sur 24. Donc on ne peut pas non plus dire « Ah ben là, je suis trop fatiguée, donc j'arrête ». Il faut, pour tourner des ambulances 24 heures sur 24, des ambulanciers à part égale la journée et la nuit. Donc si on a deux ambulanciers du soir dans la boîte et que tous les autres sont du matin, ça va être assez difficile de faire tourner les ambulances. Et puis, comme je vous disais, la répartition en fait, entre matin, soir et intermédiaire au niveau du chronotype, elle n'est pas vraiment répartie de manière égale. Donc,
déjà dans la population générale et d'autant plus dans les entreprises d'ambulance. Donc c'est assez difficile de mettre en place ce genre de choses. Par contre, c'est quelque chose qui peut être fait si vous avez par exemple des horaires irréguliers, que vous faites des horaires à la carte, si vous savez que vous avez un chronotype du soir, ce que vous pouvez déterminer très facilement avec des tests sur Internet. Il y en a beaucoup et ils sont de bonne qualité. Vous pourrez déterminer que vous êtes du soir et si vous avez des horaires à la carte, ben, prenez des horaires de nuit, ça vous fatiguera moins sur le long terme normalement. Après, travailler que la nuit, c'est pas non plus très sympa, donc il faut trouver un équilibre, mais voilà, je pense que c'est pas une solution miracle. En tout cas, une chose qu'on peut faire, c'est éduquer et former les ambulanciers à l'hygiène de sommeil, parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle assez peu, même si on a tous conscience que, bah oui, forcément, dormir dans une pièce où il fait 35 degrés et où il y a du bruit et de la lumière, c'est pas idéal. Je pense qu'on en est tous conscients, mais on nous a jamais vraiment dit, voilà, ça c'est l'hygiène de sommeil, et si tu veux un bon sommeil, il va falloir que tu t'appliques à appliquer les principes d'hygiène de sommeil. Et puis, ce qui serait aussi intéressant, c'est de former les ambulanciers aux pathologies et aux troubles du sommeil pour qu'ils puissent les reconnaître chez eux et qu'ils puissent demander de l'aide finalement à leur médecin si besoin. Donc ça, c'est plutôt une formation qui pourrait être faite au niveau de l'école ou en post-diplôme dans les entreprises. Faire un peu de suivi, vérifier que les gens dorment bien, qu'ils sont bien reposés et puis vérifier s'ils savent surtout comment se reposer adéquatement. En tout cas, moi, j'ai pas vraiment de solution miracle à vous donner, malheureusement. Je suis désolée, j'aurais bien aimé trouver moi-même une solution miracle, mais il n'y en a pas. Pour mes remerciements, donc moi j'aimerais remercier Caro qui m'a suivi tout au long de mon travail de diplôme et qui a cru en moi, même quand moi j'étais sûre que j'arriverais jamais à le rendre, donc merci. Yuan qui m'a expliqué en gros ce que c'était une revue de littérature, il est ambulancier chez SK et sans lui je ne sais pas si j'aurais vraiment compris ce que je devais faire. Anthony qui est ambulancier aussi chez SK et aussi mon copain qui m'a prêté son ordinateur quand le mien m'a effacé tout mon travail de diplôme, j'avais envie de le jeter par la fenêtre. Et Karine, qui est ma maman, qui est aussi prof d'informatique et qui a fait tous les graphiques de mon travail de diplôme et cette magnifique présentation PowerPoint. Donc voilà, merci à elle. Question. On a un internaute qui s'est réveillé avec quelques questions, mais auprès en premier, la salle, qui a des questions. Vous êtes tous endormis ? C'est bien, j'ai réussi ma mission. Par contre, question en ligne. Alors, est-ce que l'on a une idée des avantages, inconvénients du travail en rotation jour-nuit versus le travail fixe, équipe jour, équipe nuit ? Qui se porte le mieux ? Il faut que je répète la question. C'est mieux. Oui. Donc, est-ce qu'on a une idée des bénéfices à travailler soit donc en rotation, à faire jour-nuit, soit avoir des équipes qui font que le jour et que la nuit ? Et qui se porte le mieux ? Alors moi, je n'ai pas vraiment eu d'informations sur ce sujet dans mon travail. Je n'ai pas trouvé trop de réponses à ça. Mais globalement, ce qui ressortait, c'est que... J'ai lu ça sur quelques sites, c'était pas dans les études, mais globalement, travailler toujours la nuit, ça a quand même un impact parce que ça nous dérègle quand même, même si on est plutôt du soir et qu'on aime travailler la nuit. Donc globalement, qui se porte le mieux, faudrait leur demander, je sais pas. Mais je pense pas que ce soit que l'un soit forcément mieux que l'autre. Quelles solutions, propositions, adaptations les études mettaient-elles en avant ? Est-ce qu'il existe un guide de bonnes pratiques ? Donc, quelles solutions sont mises en avant par les études, c'est ça ? Et est-ce qu'il existe un guide de bonnes pratiques ? Alors, les solutions, y avait le fait qu'il fallait éduquer les ambulanciers sur l'hygiène de sommeil. La proposition de changement par rapport au chronotype, ça, c'était dans les études. Et puis, sinon, globalement, les études disaient qu'en fait, il fallait surtout faire plus d'études pour savoir si c'était un problème global ou si c'était juste un problème des temps de participants qu'ils avaient eu dans les études. Un guide de bonne pratique, il n'y en a pas formellement. Maintenant, si vous cherchez hygiène de sommeil sur Internet, il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de listes. Et puis, il y a un site qui est très bien fait, qui est en anglais, mais qui s'appelle Sleep Foundation, qui est américain, où c'est des auteurs qui écrivent et c'est vérifié par des médecins. Donc, c'est des informations qui sont quand même bien sourcées et qui sont correctes. Et sur ce site internet, il y a énormément de recommandations et je crois même qu'il y a un programme genre en 12 semaines pour améliorer son sommeil. Donc ça peut être intéressant.
Lorsqu'on travaille de nuit, est-ce qu'il vaut mieux essayer de dormir à chaque pause, à chaque moment de calme que l'on a, ou est-ce qu'il faut se forcer à rester éveillé toute la nuit ? Quand on travaille de nuit, est-ce qu'il faut essayer de dormir à chaque fois qu'on peut, ou est-ce qu'il vaut mieux rester réveillé toute la nuit ? Alors, c'est assez difficile de répondre à ça. Il y a un principe, en fait, qui s'appelle l'inertie de sommeil. Donc, en fait, quand on dort, suivant quand est-ce qu'on est réveillé dans notre cycle de sommeil, ça va être extrêmement difficile d'être très performant et de se réveiller correctement. Donc ça, c'est assez différent par rapport aux personnes. Ça dépend, il n'y a pas vraiment de définition que si vous dormez 35 minutes, vous allez avoir la tête dans le coltard pendant 45. Il n'y a pas vraiment de règles. Il faut un peu faire à sa propre sauce, faire selon ses propres besoins. Je pense que c'est ni faux d'essayer de rester réveillé, ni faux de dormir. Il faut juste être conscient, voilà, si moi je sais que si je dors plus de 30 minutes, je ne vais pas réussir à me réveiller, je vais être vraiment pas performant, bah, il faut être conscient de ça et faire en fonction de ça. Mais il n'y a pas vraiment de recommandations, il n'y a pas de règles internationales, on va dire, à ce sujet. Comment dormir la journée pour mieux récupérer ? Comment dormir la journée pour mieux récupérer ? Eh ben, en suivant les recommandations d'hygiène de sommeil, donc en se mettant dans un environnement calme, frais, où il n'y a pas de bruit, où il n'y a pas de lumière. C'est le meilleur conseil. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est de suivre un peu son cycle, en fait. Donc si tout d'un coup, vous avez un monstre coup de sommeil et puis que vous avez super envie de dormir, ben, c'est le moment de se reposer. Et puis ben, les courses ou la vaisselle ou la lessive, il faudra passer plus tard, quoi. Mais il faut s'écouter et il faut essayer de faire au mieux pour soi. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de règles universelles. J'ai juste une question en termes de sécurité. Est-ce que tu as pu lire des choses ? Est-ce qu'on est plus en danger la nuit que le jour en termes de conduite, en termes de prise en charge de patients, etc. Donc en termes de sécurité, est-ce qu'il y a une différence entre le travail de jour et le travail de nuit ? J'ai pas eu d'informations dans les études que j'ai lues par rapport à ça. Par contre, j'ai lu une étude, j'ai plus exactement les items en tête, mais en gros, qui parlait de manque de sommeil simulé finalement, parce qu'on avait forcé les gens à ne pas dormir. Et on regardait en fait le taux d'erreur, ils devaient cliquer sur un écran à chaque fois qu'il y avait genre une lumière qui apparaissait. Il y avait des personnes qui étaient privées de sommeil pendant 3 jours de suite. Ces personnes, au départ, donc elles font le test, et après 3 jours sans sommeil, elles refont le test et elles font 400% d'erreurs en plus. Voilà. Donc, les erreurs, il y en a forcément plus. Il y avait d'autres groupes qui dormaient juste un petit peu moins. Donc, il y en avait un par exemple, qui dormait 6 heures par nuit. Vous n'avez peut-être pas l'impression que c'est pas beaucoup, mais c'est pas assez. Et ceux qui dormaient 6 heures par nuit, finalement, je crois qu'au bout d'une semaine, ils faisaient aussi 400% d'erreurs en plus. Donc je pense que quand on dort peu la nuit, en tout cas, il y a plus d'erreurs. Après, est-ce qu'on fait forcément plus d'erreurs la nuit que la journée ? Tout dépend comment on est reposé avant sa garde. Et qu'en est-il du cycle de 1h30 pour récupérer ? Qu'en est-il du cycle de 1h30 pour récupérer ? Bah, c'est vrai qu'on dit qu'un cycle de sommeil, normalement, dure 1h30. Maintenant, bah, tout dépend finalement de la dette de sommeil qu'on a. Si on est un petit peu fatigué, c'est possible que la fameuse micro-sieste de 15 minutes suffise. Si on est vraiment épuisé parce qu'on n'a pas dormi de toute la nuit et qu'on est resté éveillé toute la nuit, il faut mieux partir sur des cycles de sommeil complets, donc effectivement 1h30. D'autres questions ? Ah, s'il te plaît. Pardon, la question, mais on entend souvent dans les tournus 2 jours, 2 nuits, 4 jours de congé. Ça, c'est pas plus justifié de dire 2 jours, 2 nuits, 1 jour de récupération, 3 jours de congé. Oui, est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent en fait, d'évoquer 2 jours de nuit, 1 jour de récupération et 3 jours de congé ? C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent chez les policiers, en tout cas, ils sont en descente de nuit. Ça, ils le disent assez souvent. Nous, on considère que c'est 4 jours de congé et finalement, notre premier jour, on ne le considère pas comme de la récupération. Je pense que même si dans notre tête, c'est 1 jour de congé, après, il faudrait faire une étude, hein, mais je pense que la plupart des ambulanciers, ils considèrent leur premier jour comme un jour où ils ne sont pas vraiment en congé, ils sont en train de récupérer de leur nuit. Mais ça, encore une fois, ça, tout dépend des personnes, quoi. Mais oui, effectivement, ce serait peut-être plus pertinent de le considérer comme ça. Surtout dans le service RH. Ça, oui.
Est-ce que ça pourrait être bon qu'ils viennent de sommeil, de revenir d'une nuit, dormir une grande partie de journée, de repartir sur une nuit? Est-ce que... Dans le sens décaler son... Enfin, être déphasé par rapport à, ouais, à d'autres nuits. Donc est-ce que ça influence l'hygiène de sommeil, c'est ça, de faire une nuit, dormir toute la journée et repartir pour une nuit? Est-ce que ça va décaler finalement? Bah oui, en fait, c'est ce qui se passe en fait quand on parle de shift work, sleep disorder. Si tu veux bien, c'est une désynchronisation entre ton rythme à toi et ton rythme de travail. Malheureusement, quand tu vas enchaîner deux nuits, à un moment, il va bien falloir que tu dormes. Si tu n'as pas dormi de la nuit et que tu dois réenchaîner sur une autre nuit, il faut que tu te reposes. Donc bah oui, ça va te désynchroniser, ça c'est sûr. Après, il faut essayer de faire en sorte que ça ne te désynchronise pas trop. Donc, il faut dormir un peu pour se sentir reposé, mais pas trop non plus pour ne pas réussir à dormir le soir si on a l'opportunité de dormir. Encore faut-il avoir l'opportunité de dormir. Enfin, tu vois, c'est hyper compliqué. Il n'y a pas vraiment de réponse. Mais oui, en tout cas, ça te désynchronise, ça, c'est certain. On va commencer, Nicolas. Le fait qu'on fasse des gardes de 12 heures, est-ce que ça force... Justement, le fait qu'on est complètement désynchronisé, dans le sens du... Enfin, il y avait eu un débat, vous avez entendu, je sais plus quoi, des tournées de 3 fois 8 heures, donc du coup, ça fait qu'on est en guillemets opérationnel pendant 8 heures, ça fait qu'au lieu de 12 heures au taquet, bah, ça réduit en guillemets la charge de travail, enfin, potentiel, et ça pourrait éviter, enfin, faire qu'on soit moins désynchronisé ou pas du tout. Donc, est-ce que le fait de travailler des gardes de 8 heures au lieu de gardes de 12 heures, ça nous aiderait à être moins désynchronisé ou pas, finalement? Bah après, le problème, c'est que si tu fais des gardes de 8 heures, il va falloir que tu en fasses plus pour faire ton quota d'heures. Donc, c'est déplacer le problème plutôt qu'une solution. Je pense que ce n'est pas spécialement le fait de travailler 12 heures qui nous désynchronise. C'est le fait vraiment de faire cette alternance, de travailler des jours, de travailler des nuits et surtout de travailler la nuit finalement. Donc, si tu travailles 8 heures, mettons, de allez, 22h à 8h du matin, 22h à 6h du matin, pardon, tu seras tout autant désynchronisé, puis c'est pas parce que t'as travaillé 8 heures que tu seras forcément beaucoup plus au taquet le lendemain si t'as pas dormi de la nuit. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Du coup, je pense que ça, c'est un peu déplacer le problème parce que tu vas devoir travailler plus de jours et du coup, forcément, tu pourras, t'auras peut-être moins d'opportunités pour récupérer. Donc, voilà. Bien. Là, en fait, ça reprenait un peu l'idée du 3x8. En fait, est-ce qu'il y avait des études comparatives entre des 12 heures et des 3x8? Parce que j'ai eu dire qu'à Lyon, ils avaient commencé le 3x8. Okay. Donc, est-ce qu'il y a des stats qui permettent une augmentation du sommeil, la qualité du sommeil? Donc, est-ce qu'il y a des études qui reprennent justement cette idée de faire 3x8, par exemple, et puis qui montrent un bénéfice à ça? Moi, je n'ai pas eu d'informations là-dessus sur mes études. En Australie, à voir, ils font plutôt des 12 heures. Ils font des horaires vraiment similaires aux nôtres. En général, ils font 2 jours de nuit, 4 jours de congé. Après, il y en a aussi dans les endroits plus ruraux qui font des horaires vraiment assez... moi, je les appellerais trash, carrément. Ils font 8 jours à la suite. Et la nuit, ils sont sur appel. Voilà. Donc j'ai vu ce genre de choses, mais des 3x8 et des horaires un petit peu plus light, ça, j'ai pas vraiment vu. Donc j'ai pas de réponse à donner à ce sujet-là. Véro ? Est-ce que vous pensez que des lectures, il y a eu des informations sur un truc ou une astuce pour pouvoir se reposer sans passer dans le sommeil profond et éviter justement cette problématique d'être pas adéquat quand tu travailles? C'est souvent une des peurs quand tu fais des nuits, c'est de quand tu vas te reposer, d'être dans un sommeil tellement profond que s'il y a une intervention, c'est pas un intérêt. Et est-ce qu'il y aurait pas en étant dans la liste pour même temps ou une façon de se reposer en restant dans un sommeil paradoxal? Donc, est-ce qu'il y aurait une façon de dormir, par exemple, quand on travaille la nuit en ambulance, sans passer par le sommeil profond pour pouvoir se reposer quand même, mais pas être trop profondément dans le sommeil et se faire réveiller au mauvais moment, finalement? J'ai pas vu d'informations à ce sujet. Je pense que la seule solution, en fait, c'est de mettre son réveil et de se réveiller toutes les temps de temps, je sais pas, toutes les 30 minutes, ou... et de faire finalement des siestes et pas un vrai sommeil. Mais à part ça, j'ai pas eu d'informations, en tout cas, sur le fait de mettre de la musique ou quelque chose comme ça qui aiderait... à pas passer dans le sommeil profond. Voilà. Tout bon? Merci beaucoup.